C'est jour de match ici au Weiss. Le club Palmentieri mène par un but d'avance. Mais pourra-t-il le conserver, Mac? Je ne pense pas qu'ils aient suffisamment de joueurs, Brenda. Les Samba Kings tombent les uns après les autres et comme des mouches. Et les Invincible United jouent le rôle de la tapette à mouche. Il mérite une sanction très salée à lui. En parlant de ça... Donaldo lance une offensive. Parade exceptionnelle de et la part du capitaine. Et on dirait qu'il n'est encore qu'en phase d'échauffement. Bon, faut croire que je dois tout faire moi-même ici. Méchant tacle. Et une fois de plus, les Invincibles jouent comme des bouchers et personne ne leur dit rien. X-Man. La Super League prend très au sérieux les comportements de jeu agressifs. Les United seront sanctionnés. Oh. Il ferait mieux de le faire vite et sinon il ne restera plus aucune équipe en jeu. Bien joué, Scara. Une fois de plus, tu nous as fait passer pour l'équipe la plus violente de la Super League. Merci, boss. Ça n'était pas un compliment. Le bureau disciplinaire de la Super League va nous tomber sur le poil. Hein? Peut-être que je pourrais vous être utile. Mais qui êtes-vous? Celui grâce à qui votre mauvaise réputation va purement et simplement disparaître. Très bien. Je vais vous reposer la question une dernière fois. Qui êtes-vous? La poche de votre veste, Vince. Otto von Drake, l'extraordinaire illusionniste. Et alors? Quoi? Vous faites des tours pour les fêtes d'anniversaire? Je peux faire tout un tas de choses extraordinaires, cher Scara. Waouh! Ok. Vous avez toute mon attention. Que voulez-vous? La même chose que veulent tous les illusionnistes. Je veux surprendre et émerveiller. Faire de l'impossible une réalité. M'évertuer à mettre sans dessus-dessous vos certitudes. Et pour ma prochaine grande illusion, je voudrais faire des Invincible United l'équipe la plus respectable de tout le championnat. Et des Super Strikers la plus corrompue. Alors là, boss, je crois que je vais adorer cette magie-là. C'est un week-end riche en actions à couper le souffle qui vient de s'achever, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'avalanche de coups bas portée par les Invincible United pour remporter la victoire sur le club Palmentieri. Les plus grands ça, c'est vraiment de peu la de le Super dire. League. On espérait qu'ils allaient se pencher sur les comportements de l'équipe de Vince. Il serait temps. Et plus particulièrement à l'occasion du duel au sommet qui les opposera bientôt aux Super Strikers. En réponse, les Invincible United ont décidé d'organiser une conférence de presse exceptionnelle. Chers amis, camarades, collègues, il y aurait énormément à dire au sujet de la déloyauté du jeu. Claire, les Invincible United ont peut-être eu cette mauvaise habitude par le passé, en payant des gens pour faire des sales coups à notre place, en fabriquant des robots pour nous aider à en faire, en apprenant à ces robots à fabriquer d'autres robots pour nous aider à faire des coups encore plus vaches. Mais bon... Qui ne le fait pas, hein? Ce qui compte le plus, c'est ce que nous avons appris de nos erreurs et que nous sommes prêts à écrire un tout nouveau chapitre. Nous, les Invincible United, avons l'immense plaisir d'offrir ce monument dédié au fair play. Parce que tout le monde devrait avoir droit à une seconde chance. Absolument, mon petit Timmy. Je m'appelle George. Coupé. Que quelqu'un me ramène ce truc à l'agence. Mon costume va empester maintenant. Mais quelle perte de temps. Personne ne va jamais croire ça. Quand Houdini a dit qu'il allait s'enterrer vivant, personne ne l'a cru. Quand Copperfield a dit qu'il ferait disparaître la Statue de la Liberté, personne ne l'a cru non plus. Toutes les illusions reposent sur une méfiance originelle. Et moi, Otto von Drake, je vais créer la plus grande illusion dont le monde ait jamais été témoin, vous m'entendez? Ouais, ça va, on a compris. Hein? C'est quoi la suite? À présent, nous allons demander à des volontaires de nous rejoindre sur la scène. Les Invincible United qui offrent un monument dédié au fair-play? Pourquoi pas El Matador, remettant le prix de la modestie? C'est vrai que je suis la personne la plus modeste qui existe au monde. Quand Vince s'est trompé dans le prénom du gamin, j'ai rigolé si fort que c'est du lait qui est ressorti par mes trous de nez. Alors que je ne buvais même pas de lait. Mais Vince sait bien que personne ne va croire à ça. Alors à quoi ça sert? Sans doute qu'il essaie juste de nous endormir, man. Et il ne s'est pas arrêté à ça. Il nous invite également à l'inauguration du monument du fair play. Yeah!
Ah, il est chouette ton pyjama, pauvre nul. Je voulais dire, je suis vraiment content de te voir, Shakes. Et si vous vous serriez la main pour montrer qu'il n'y a aucune hostilité entre vous? Mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et moi non plus. Je ne comprends pas. Moi non plus, man. Le United, c'est un monument du fair play. Ça n'a aucun sens. Non, pas ça. Je comprends pas ce que ça a à voir avec le fait que je sois si modeste. Un canapé, cher messieurs? Ah, peut-être que la tête en bronze a rappelé un chèque des muscles tout bronzé. Ça a un goût de pied enroulé dans d'autres pieds. Où est passé le serveur? Je sais pas, man. Bizarre. Allez, mon gros, on arrête de jouer. Non! Non! Tout se déroule à la perfection. Ha! Je vois pas en quoi une soirée pince-fait, ça peut être considéré comme de la grande illusion. Un peu de patience, Kara. Regardez les choses en face. Ce magicien à la noix vous mène en bateau. Ne vous fiez pas aux apparences. Les faux-semblants sont les pierres angulaires de toutes les grandes illusions. Par exemple, que voyez-vous ici? Cette ridicule statue dédiée au fair-play. Quoi d'autre? Mais est-ce réellement qu'une simple statue? Voici l'endroit où je vous enseignerai à vous et à vos équipiers la dernière phase de notre émission. Enfin, un peu d'action! Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Permettez-moi de vous éclairer sur mon plan. Coach, vous allez bien, monsieur? Vous devriez vous asseoir, je crois. Les Super Strikers et les Invincible United ont toujours été considérés comme des absolus contraires dans le football. L'habilité contre la force, les compétences contre les manigances, les vertueux virtuoses de Coach contre les spades assassins de Vince. Mais à quelques jours de la rencontre opposant les deux géants, il semblerait que les rôles aient été quelque peu inversés. Ah ? Une source anonyme nous a fait parvenir cette vidéo particulièrement choquante. Une main tendue en signe d'apaisement. Oh. Et un va te faire voir de Shane. Bien. Mais j'ai jamais fait ça. El Matador, lui, crache au visage du fair play. Littéralement. Hey, mais ils ont coupé le serveur en montage. C'est quoi ce truc, les mecs? Faut pas t'en faire, man. C'est les équipes qui s'entraînent le plus dur qui gagnent les trophées. Et certainement pas celles qui font les meilleurs canulars. Ouais, mais si on arrive à mettre la main sur cette vidéo, on pourra démontrer que ce n'était qu'un coup monté par les United. Pour l'instant, concentrons-nous plutôt sur notre entraînement. Je vous ai prévu une petite nouveauté qui vous attend dans notre centre ultra secret. Cette fois, ils sont allés beaucoup trop loin, Cool Joe. Ne m'en parle même pas, Tiger. Hey, Spence, j'ai un immense service à te demander. C'est fou ce que j'ai envie d'un hamburger. Bien, voyons ce que nous pouvons avoir là. Voilà. Nous avons vu que les Invincible United seront prêts à utiliser tous les coups bas possibles pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais cette fois, nous serons préparés à cette éventualité. Je vous présente le parcours infernal. Les United nous mettront à terre chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Alors vous allez devoir aiguiser vos réflexes. Quand on affronte une équipe aussi brutale que les United, l'agilité et l'équilibre sont essentiels.
Oui, Blum, la force, ça compte aussi. Hey, coach, c'est quoi l'idée, là? Oh! Être paré à toute éventualité. Saleté de gamine robot, c'est la dernière fois que je lui donne un autographe. Ouais, Spence, t'as trouvé la vidéo? J'ai trouvé largement mieux que ça. Les United vont regretter d'avoir fait ça. Wouhou! Là. Hé! Hey. Hey. Mais ce serveur glisse un truc dans ma chemise. Et le revoici encore en train de servir des amuse-gueules à El Matador. La voilà, Spenza. La preuve qu'il nous fallait pour mettre Vince et Scar au tapis. Mais le meilleur reste à venir, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu veux... Regarde cette eau. Il y a un passage secret dissimulé derrière la statue du fair play. C'est typiquement les Invincible United. Ah, ça? Je pensais que le but, c'était seulement de salir notre image. Mais il y a quelque chose de plus gros qui se trame là-bas. Quoi que les United puissent préparer, nous allons devoir tout faire pour découvrir de quoi il s'agit. Bienvenue à la rencontre la plus attendue de la Super League. Les Invincible United contre les Super Strikers. Les hommes de Vince ont la réputation d'être l'équipe la plus déloyale du championnat. Mais ce sont pourtant les Super Strikers qui se retrouvent au cœur d'une polémique. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais que vous mijotez quelque chose, Kara. Ah! Attends un peu le début du match, Shakes. Tu n'imagines pas ce qui vous attend. Le match est lancé et les Super Strikers se lancent directement à l'attaque. L'image des Strikers s'est peut-être légèrement assombrie dernièrement, mais leur football est toujours aussi brillant. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où, votre grande illusion? Un tour de magie digne de ce nom doit ménager du suspense. D'abord, vous montrez à l'assistance que vous n'avez rien à cacher. Mais en réalité, ce n'est là que pour détourner son attention de ce qui se passe réellement sous ses yeux. Mon portefeuille! À présent, regardez. Trop lent, muchacho! Oh, El Matador se ramasse la figure comme un vulgaire sac de patates! Il n'y a pourtant eu aucun contact avec Dingan! Hé, hey, c'était un geste non réglementaire. Arrête, El Matador. Il était loin de toi quand t'es tombé. C'est bizarre. J'aurais juré qu'il m'avait fait un croche-pied. C'est quoi le geste qu'il a fait déjà? Pourquoi tu t'ouvres pas? Pâte à crêpes, pâte à gâteau, pâte à brioche. Pas moyen. Il est temps de trouver ce que manigance et United. Je n'en reviens pas. Cette offensive est l'occasion rêvée d'ouvrir le score. Et c'est un pénalty. Ce tacle était plus vilain que ma moustache quand on fait une soirée spaghetti. J'en sais rien, vieux. On dirait bien que tu l'as fait tomber. Scara se prépare. Et il envoie le ballon dans la lucarne. À vrai dire, c'est amplement mérité. Ils sont meilleurs que jamais aujourd'hui. Exception faite des Kuba étrangement absents sur ce match. Hein? Essaie un peu de me le prendre. Il était temps. Et Chef a un carton jaune pour son plongeon simulé. Et c'est là-dessus que s'achève la première ça période. Ça ressemble davantage à un premier round, Brenda. Les Strikers devraient peut-être enfiler des gants de boxe et retirer leurs chaussures à crampons, ouais. J'arrive pas à y croire. Et il n'y a rien du tout. Pourquoi déployer autant d'efforts pour dissimuler une pièce vide? Ça va incontestablement être ma plus grande illusion. Et notre plus éclatante victoire sur les Super Strikers. Illusion? Mais bien sûr, c'est ça, un magicien. Je dois le dire à Shakes.
Que se passe-t-il sur cette pelouse à la fin? Des crochets? Des simulations? Ce n'est pas de cette façon que les Super Strikers jouent. N'en sais rien, coach. Il y a comme un mauvais sort autour de nous. Il a raison. En fait, c'est comme s'il nous faisait des balayettes, mais sans nous faire de balayettes. Alors c'est tout ce que vous pouvez donner sur ce match? Vous allez tous être exclus du championnat si vous continuez sur cette lancée. Lâchez-moi! Que se passe-t-il ici? J'ai surpris ce vandale en train de faire des graffitis sur le stade. C'est une blague, je vois pas du tout de quoi il est en train de parler. Ah ouais? Et ça, c'est quoi alors? J'appelle ça prendre la main dans le sac. Non, là, c'est la main dans le verre. Tout ce que je sais, c'est que j'étais en route pour vous prévenir au sujet du magicien et que cette brute m'a sauté sur le dos. Une minute. Bah, quel magicien? Bah, le serveur, pardi. Vince l'a engagé pour réaliser une grande illusion footballistique. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait dire à ce garde d'arrêter de l'écraser? Vous avez entendu, man? Un magicien, tu dis? Venez, les gars. Je crois que je sais ce qui se trafique ici. Oh, c'est quoi ce truc, mon pote? Un genre de code, peut-être? Ou peut-être une formule magique? Non, man. C'est juste inversé. Ce sont des instructions pour créer l'illusion sur des balayettes ou des simulations. Quand Scara m'a dit que je n'imaginais pas ce qui nous attendait, c'est en réalité de tout ça qu'il voulait parler. La statue du fair play, les vidéos de surveillance, le match, c'était que les éléments d'une grande supercherie. Pour que les United aient une bonne image. Et que nous, on passe pour les méchants. Écoutez un peu. Amener le public à voir ce qu'on veut qu'il voit, pour qu'il ne voit pas ce qui se passe réellement. Alors, quand les United font un tacle, tout le monde est occupé à regarder ailleurs. Et ils ne voient pas ces sales tricheurs nous crocheter avec leurs jambes arrière. Je pense qu'il est grand temps de montrer aux United qu'ils ne sont pas les seuls à maîtriser les tours de... passe-passe. Le football est rempli d'illusions, les gars. Un petit pont, un centre en retrait, c'est autant de moyens de tromper l'adversaire. À présent, retournez sur la pelouse et offrez-nous de la magie façon Super Striker. 1, 2, 3, Super Striker! De retour pour cette deuxième mi-temps. Espérons que nous assisterons à davantage de foot et à moins de mauvais goût du côté des Strikers. Je t'ai vu. Dancing Rasta fait une passe aérienne en direction de Cool Joe. Tu sais peut-être faire des balayettes ni vu ni connu, mais moi je peux faire des passes sans même shooter dans le ballon. Waouh! Quelle improvisation funky de l'ailier des Strikers. Waouh, mais quel spectacle! Olé! Quel but fantastique! Oh! Vous en faites pas. Même les plus grands provisionnels ont des petits passages à vide. Ce but a redonné la confiance nécessaire aux Strikers pour reprendre le contrôle de ce match. Le coach a dû remonter quelques bretelles ou faire une incantation dans les vestiaires. Parce que les hommes en rouge ont définitivement retrouvé leur meilleur football. C'est fini les illusions. Il est temps de faire les choses pour de bon. United, dégommez-le! Pour ça, faudra d'abord m'attraper. Rappelle-toi du parcours infernal, Shex. Scara arrive! Quoi qu'aient pu faire les Super Strikers, les Invincible United sont toujours capables du pire. On dirait bien que les United ont laissé tomber leur tour de magie et qu'ils en reviennent aux bonnes vieilles mauvaises habitudes. Et pourquoi on ne leur réserverait pas un tour de magie, nous aussi? Les Strikers s'apprêtent à tirer le coup franc et les United n'en croient pas leurs yeux. La quasi-totalité de l'équipe est alignée pour taper dans ce ballon. Non mais où est la balle? Abracadabra? Il faudra le voir deux fois pour le croire! Et puisqu'on en parle, voyons le ralenti! Une brillante feinte qu'on doit à El Toro! Et Shanks vient conclure l'action d'une frappe puissante! Je vous avais dit que ce plan stupide ne fonctionnerait pas! Vous avez intérêt à me rendre mon argent. Ou soyez-en sûr, moi, je vous ferai disparaître. Ah, oui. Oh, vous voyez, Shazam. Où est-il passé? Là! Rattrapez-le! Hé, l'ami!
La sortie, c'est de l'autre côté. Ah, ça, c'est ce que j'appelle avoir l'attention détournée. Les deux équipes sont à égalité à Strikaland dans ce match opposant l'équipe locale au très puissant Azul. Même si Rasta semble fixer son attention sur son ailier gauche, Cool Joe. Le roi des centres. Une petite feinte arrière et le tour est joué. Vas-y, Cool Joe, donne-moi l'occasion de faire bonne impression. 5, 4, montre-leur ce que tu sais faire. 3, 2, 1. 1. Santos n'a pas pu venir à bout de cette feinte. Sa déception, elle, ne l'est pas, feinte. Et comme à l'accoutumée, voici la fameuse glissade de célébration du roi du tir d'angle. Le cauchemar des gardiens de but. Parce que tu trouves que ça, c'est un signe d'amour? Attends, ce soir, tu verras la différence. Et oui, mesdames et messieurs, ce soir, il y a concert au parc avec Cool Joe et les pros. Compte sur nous, on y sera, Cool Joe. J'ai pas un autographe. Nous aussi, on veut avoir ton autographe, mon cher Cool Joe. Oui, on le veut, nous aussi, ton autographe. C'est vraiment cool. Cool Joe a des supporters à Strikaland et des fans ici. C'est avec vrai, les pros. Jax. Mais tu sais, en réalité, la musique funk et tout ce bazar, personne n'aime vraiment ça, soyons un peu sérieux. Ah, yo, El Matador, regarde et prends un cours, mon frère. Regarde et prends-en de la graine. Joue du rock'n'roll, plutôt. Un petit didou, didou, didou. Cool Joe, et pourquoi pas répandre un titre de boys band? Tu deviens très célèbre, gars. Nine. Yo, les amis, soyez les bienvenus au parc. C'est une chanson qui parle des Assouls, en l'honneur d'une des plus merveilleuses équipes de la Super League. Mais vous aurez sûrement pu le constater aujourd'hui, les amis. C'est pas si mauvais. Wow! Le groupe de Cool Joe déchire un max. Claire, pour vous dire, j'adorerais être à sa place sur scène, les mecs. Je préfère quand même les classiques de boys band. Il est vraiment génial. Tu veux dire carrément génial, j'imagine. Il y a encore 2-3 bricoles à régler, mais... Une fois réglé, il sera encore plus génial. Tu peux te préparer des contrats. Alors dis-moi, est-ce que ça veut dire que tu comptes prendre une retraite anticipée côté foot? Jamais de la vie, mon frère. J'adore la musique. Seulement, tu vois, le foot, c'est juste toute ma vie. Ah, tant mieux. Parce que tu sais qui on joue la prochaine fois? T'as aucun besoin de me rappeler qu'on rencontre les Colossus et Iron Tank, mon frère. Ça s'annonce vraiment comme 2 matchs énormes. Monsieur Joe? Oh. Monsieur Cool Joe? Ouais? Nous sommes A et R. Wow, une petite minute, là. Vous voulez dire ceux qui ont une armoire de disques de platine et qui sont des vraies machines à tubes? Tout juste. Et nous souhaitons faire de vous... la prochaine grande vedette de notre écurie. Messieurs les Iron Tank, what is la clé pour battre nos adversaires? Entraînement, préparation physique, Nine, l'autre clé. Le talent, colonel Fredbushop. Nine, la clé c'est de connaître les points faibles de nos ennemis. Connaître les points faibles de nos ennemis. Arrêtez de répéter tout ce que je dis, c'est pénible. Arrêtez de répéter tout ce que je... Qui êtes-vous? Jésus le Nouveau. J'ai été employé ici par la diffusion technique. Je croyais que tu venais de la diffusion halte-garderie. Ah! Nous, au moins, on apprend à se servir de nos cerveaux. Ein Entelo, un retourneur de cervelle. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Les super trackers sont devenus très forts à présent. Il faut écraser les Kratians comme des insectes au prochain match. Mais nous, nous allons trouver leur point faible. Décidé? Leur point faible est qu'ils sont trop bons. Il a raison. Ouh. La force peut devenir une faiblesse, retenez ça. La force peut devenir une faiblesse. Trouvez leur point fort et vous trouverez leur point faible. Wow, ça groove. Franchement, ce studio que vous avez là, il est d'enfer, les gars. Ça pourrait être le vôtre. Oh. Rien qu'à vous, vous n'avez qu'à signer. Juste et enfin là. Et encore là. Et là. Et là. Et là. Et là. Bienvenue dans l'équipe. C'est groovy.
Oh, on a eu une super idée tous les deux. Au lieu de dire tout le temps « groovy », pourquoi n'auriez-vous pas une expression qui soit bien à vous? Genre? Genre... Cachez à wow. Hein? C'est spécifié dans le contrat. Ce petit gimmick sera votre carte de visite, votre signature sonore, quoi. Mais j'ai déjà une signe... C'est dans le contrat. Hmm? Oh, tant qu'on y est, nous avons pour grand projet de remporter le tout premier disque de plutonium. Plutonium? C'est dans le contrat. Argent, or, platine et puis plutonium. Alors ça, c'est... Que chose, wow! Ah, ça y est, vous la tenez. Et nous avons d'autres idées également. Donc ce soir, puisque nous regardons les Colossus jouer les Strikers, nous allons devoir nous demander quels sont les points forts des Super Strikers. Une idée originale à vous mettre. Pourquoi pas toi, Monsieur Lentilo? La fameuse glissade quand il fait un but marqué. Ok, tu auras ta chance. Écoutez pas le plan Beck. Ignorez-le et faites comme s'il n'existait pas. Voyons par ici ce qu'on peut découvrir. Quel match exceptionnel ce soir au Strike à Landmark. Disons-le, c'est un combat de titans. Regardez un peu, c'est pas tout long. Il s'agit du premier des deux matchs que les Strikers vont devoir jouer contre des géants. Les Colossus ce soir et les Iron Tank dans le courant du week-end. Et voilà, c'est le moment. Je vais dégainer mon arme secrète une fois de plus. 5, 4, 3... Allez, mon pote! Donne-moi l'occasion de faire bonne impression! 2, 1... Ce que nous venons de voir est extrêmement rare. Shake et El Matador sont totalement passés à côté, hey, Wanda. Cool Joe! La tête, c'est là! J'ai comme l'impression que ta tête n'est pas à 100% dans ce match. Yo, c'est la tête d'El Matador qui n'était pas dans le jeu. Ma passe était juste parfaite. Reste concentré sur le football, man. Pas de problème, Captain. On réceptionne. On feinte. On récupère. Et on envoie. Ils n'ont pas de points faibles. Le cauchemar Funky Day. Kapow! Kapow! Ça n'en revient pas. Le blanc bec avait raison depuis le début. Où est-il? Écoutez pas le blanc bec. Ignorez-le. Faites comme s'il n'existait pas. Vous êtes malade. Il est parti manger le plus d'herbe qu'on trouve dans les alpages avec les chèvres. Mais qu'est-ce que ce petit morveux pourrait bien faire? Il va nous aider à comprendre cet esprit qui part à la dérive. L'esprit de Cool Joe. Kapow! Kapow! Très bien, messieurs. Nous devons marquer les buts. Mais Iron Tank a pour fâcheuse habitude d'y mettre de gros obstacles. Wow, coach! On dirait bien que nos super figurines ont un peu rétréci au lavage, non? Non. Toutes ces figurines sont réalisées à la même échelle. Alors, où est la mienne? On se reconcentre. Ne vous laissez pas intimider. Aucun risque, coach. Trouvez vos positions idéales et confiez la balle aux ailiers. Cool Joe pourra percer leur défense et venir à nous. D'accord, Cool Joe. Cool Joe? Où est Cool Joe? Une idée? Il faut toujours qu'on l'attende, ce mec. J'imagine que vous allez nous proposer un exercice, coach. En effet. North, Eagle Eye et Block. Vous tiendrez le rôle des défenseurs des Iron Tank face à nos attaquants. Je comprends. Block a total le profil. Mais pourquoi nous deux? Je piche vraiment pas. Regarde-nous, on n'a rien à voir avec des mutants. J'ai justement quelque chose qui devrait arranger ça. Wow! Une armure exosquelettique robotisée. Génial! Vous êtes fichus, Super Striker. Les Strikers tout court. Désolé, les poteaux, j'ai loupé quelque chose. On va dire ta coiffure, peut-être. Rejoins ton équipe d'attaquants et préparez-vous à affronter Iron Tank. Oui. Wow. Désolé, mon pote. Yo, Shakes.
Ce but était vraiment gros. Je suis plus censé dire ça à présent. Dire quoi? Groovy? Ouais, gros. Ça. Pourquoi, vieux? C'est dans mon contrat. Ah! La seule chose marrante qui est dans mon contrat, c'est que le club n'a pas le droit de recruter un joueur qui est plus bon que mais moi. Mais pas mon contrat avec les Super Strikers, gros naze. Mon contrat de disque. En fait, plus de Groovy, Funky et même Frérot. Mais tu peux dire quoi, alors? Que Shaza wow! Hein? Que Shaza wow! Tu peux répéter? Que Shaza wow! Ah, laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. Bon, laissez-moi tranquille, je dois aller faire ce pourquoi je suis le meilleur. Je croyais que c'était dans le foot que tu étais le meilleur. Johan Newber, the groove remover. Funky's not his style. And I thought he missed the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Unless you're blessed with the best. C'est vraiment pas génial. Pas génial, c'est nul. Et ce n'était pas prévu au contrat. Hola, hola, hola. C'est quoi le blème? C'est du pur smoking jam. On a une chanson qui, d'après nous, serait un peu plus adaptée pour votre premier single qui se vendra à des centaines de millions d'exemplaires, Joe. My love for you will go on and on forever and ever, my darling. C'est le cinquième couplet d'une chanson très vocale qui parle de ce qu'on ressent quand on est amoureux de la même personne pour toujours et à jamais. À jamais, je suis pas sûr que ce soit ce que j'ai vraiment. Mais ça doit sortir demain et nous n'avons toujours pas de tube digne de décrocher un plutonium. C'était dans le contrat. Un plutonium sur un premier single qui cartonne, c'est ce qu'il te faut. Pour poser des pavés sur la route de la gloire qui sera la vôtre. Ok, ok, faisons ça vite alors. J'ai un match super important demain. Et quand je dis super important, je veux dire Mouse. Hein? Quoi? Ouh, mais c'est dingue! Quoi? Notre popularité ou cette chanson ridicule? Hé, frère, mon pote, le boulot a été fait, non? Tout le monde arrête pas de l'écouter en boucle. Ouais, et moi, je l'ai en boucle dans la tête, je sais même pas comment m'en débarrasser. Attends, elle est pas si mauvaise. Cool Joe? Cool Joe, c'est nous. Conférence téléphonique. C'est inscrit dans le contrat. Cette chanson est vraiment un tube monstrueux, mon ami. Que chose, wow. Bref, on a décidé d'organiser un concert improvisé demain. Vous pouvez pas faire ça, les gars. J'ai un match prévu. Contre les Iron Tank. C'est un concert pour la mi-temps à Strike Alarm. Un concert dans le stade? Mon stade? Génial, mais rappelez-vous, soyez extrêmement prudents pendant le match. Le moindre dégât à votre nouvelle tenue. Ou blessure affectant vos capacités sur scène. Et alors, adieu le tube Platinum, adieu la tournée et adieu les concerts de mi-temps. Vous en faites pas, les gars. J'adore le football, mais ma vie, c'est la musique. Donc, en lisant la presse Bibol, qui est ma source de recherche principale, j'ai fini par en déduire que l'amour de Cool Joe pour la musique est plus important que sa vie de star du football. Mot-clé? Philippe! Colonel. Et comment allons-nous utiliser ça pour gagner? Notre cible, le roi des centres. Plus d'implication dans sa vie de footballeur, ça veut dire plus de balles passées aux attaquants, ce qui veut dire plus de buts. Et avec le tank en ville, il va y avoir une nouvelle musique qui va résonner dans Strike and Land. Du heavy metal. Le spectacle a été annulé ou quoi? Alors ça sûrement pas non, Shakes. À la mi-temps, vous allez assister à un show comme vous n'en avez jamais vu. Je parlais du match, on est tout seul, regarde. C'est une soirée de match à Strike Island. Et une question se pose, les Iron Tanks se seraient-ils déballonnés? Je n'en ai pas l'impression, Mac. Hein? Pas très conventionnel, le ton est donné, ça va être c'est la guerre, Brenda. C'est spectaculaire, en effet. On peut se réjouir qu'il ne soit pas venu en char d'assaut. Le gars qui entretient la pelouse aussi. Alors ça, c'est de la performance. Un peu dans le genre de ce que Cool Joe vous réservera quand il commencera à chanter son tout premier single à Strike cool Land. Cool Joe, la seule performance à laquelle tu dois penser, c'est à ta performance avec le ballon, c'est compris? Vous bêlez pas, Captain. Le foot en prums. La performance à la mi-temps. Et donne le meilleur de toi, d'accord? Bien sûr. Le match est lancé. Les Iron Tank foncent droit sur la défense adverse. Thor esquive, Shex a manqué son coup.
Mais voici qu'arrive le cauchemar funky des gardiens de but. On dirait bien que le cauchemar n'est pas plus grand monde, Brenda. Ce petit nouveau est un vrai génie. Eh bien, il semblerait que le capitaine sache parfaitement se reposer sur les compétences de ses joueurs. Il laisse les dribbles à Block et Nort et laisse les dégagements au centre au roi de la technique. Mon clé. Voyons un peu si l'assaut des strikers pourra percer la cuirasse des tanks. Kulcho va finir par ne plus avoir assez de terrain pour réagir. Et là, je vais... qu'est-ce que je dois faire déjà? Soyez extrêmement prudent pendant le match. Le moindre dégât à votre nouvelle tenue. Ou blessure affectant vos capacités sur scène. Pitié, j'ai un show à assurer, me touchez pas. Hey, Shakes, tu sais pourquoi Kulcho joue de la guitare? Parce qu'elle ne sait plus jouer au football. Les passes au centre de Kulcho ne fonctionnent plus. Après ça, on passe à l'attaque. Et Thor marque un premier but pour les visiteurs. Je dois dire qu'il m'apparaît que Kulcho doit avoir perdu son groupe, Brenda. Mec, tu nous fais quoi, là? Où est passé le roi des centres? Désolé, Shakes, mais là, je peux pas faire attendre mes fans plus longtemps. Mais enfin, de quoi tu parles? Nous, tu nous as fait attendre tout... Frérot, le moment est venu pour moi de complètement retourner ce stade. Pour le cas où le football ne serait pas assez distrayant à votre goût, je vous demande de faire un triomphe à la star des Strike Island aux multiples talents, aussi bien avec les pieds qu'à la guitare, et qui sera prochainement enseveli sous les récompenses Kulcho! Kishaza, waouh, waouh! Bonsoir Strike Island, c'est Kulcho et les Froze. My love for you is blooming like a flower in the summer sun. Et dire que je trouvais que ce centre était mauvais. Think about flowers. Is they just don't last very long. My love for you. C'est vraiment très beau, hein? Vous trouvez pas? Les gars, faites que ça s'arrête! Attends, jouer, arrête ça! Ça, c'est un vrai point faible. Bon travail, le nouveau. S'ils n'ont pas Kulcho, les Super Strikers n'ont aucune chance. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu nous fais, là, Kulcho? T'es l'imposteur! Continuez plutôt à jouer au foot! Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne me ressemble pas. Désolé, les Brothers. Je me suis planté sur toute la ligne. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas offrir un petit morceau de funky jam à tous nos amis réunis aujourd'hui à Strike Island. C'était pas du tout dans le contrat, ça. Non, non, non. Voilà, ça c'est un groupe qui déchire. Et les gens adorent. Les gars, j'ai une idée. Vous savez comment s'appelle la maison de disques de Kulcho? Strike Island. Kulcho n'en a plus rien à faire de finir numéro 1 dans le top 10 ou même dans le top 100. Parce que les seuls chiffres qui m'intéressent maintenant vraiment, c'est ceux qui sont juste là. Et il y a une chose que vous devez savoir, ils sont faux et on va tout de suite corriger ça. La tête, Kulcho, la tête. Non. Le cauchemar funky des gardiens de but. Les gars, j'ai été nul. J'ai laissé quelqu'un d'autre me dire qui je devais être. Ouais, et crois-moi, ils avaient tout faux. Parce que c'est un groupe de rock que tu devrais monter, moi je dis. Lidélou, lidélou.
Non, non, El Matador. C'est Cool Joe, elle est froze et ça ne changera jamais, mec. Cool Joe, t'as tourné ? Au Japon, tu peux oublier. Que vous croyez ? Hein ? J'ai déjà une tournée prévue au Japon, figurez-vous. Avec ma petite famille, les Super Strikers. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se prend, Cool Joe ? La funk m'a appelé. La funk ? Ne fait pas partie du contrat. Eh bien, maintenant, si. On vient de racheter les disques, tout doit disparaître. Et tous les deux, vous êtes virés. Ouais. Oh. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces... Hein ? Je crois parfaitement que je saurais quoi faire avec ça. C'est cruel et parfaitement inhumain comme punition. On vous promet qu'on ne perdra plus jamais Colonel Von Push-Up. Pitié, arrêtez ça! Ok, les gars, vous êtes prêts à mouiller le maillot? Tu vas t'éclater, Blotch! Moi et ma planche, on a déjà surfé des vagues bien plus grosses, on n'a jamais eu aucun problème! Ah, alors c'est qu'un poids lourd a dû rouler sur ta planche dans ce cas. D'accord, c'est vrai. Peut-être qu'on s'est viandé deux ou trois fois. Mais faut pas flipper! On est les défenseurs des Super Strikers! Wouhou! Vous voyez? Ensemble, rien ne peut nous arrêter! Nous en sommes à 88 minutes de jeu et nous avons droit à un match époustouflant! Blanc, surveille l'aile gauche! Belle réception et joli pas de danse de North Shore. Il essaye de trouver Shakes pour lui envoyer la balle. But ! Et une victoire de plus à l'actif des Strikers. Comment faites-vous pour enchaîner succès sur succès ? C'est exactement comme quand on est face à une vague. On se donne à fond, on reste concentré et toujours rester cool, même sous la pression. Ah, qu'est-ce qu'il peut bien y connaître à la pression, ce blaireau ? T'en fais pas. On va s'attacher à faire sortir tout l'air de cette espèce de baudruche. Vous vous êtes bien battu contre Nakama. Ses attaquants sont parmi les meilleurs et vous avez fait face. Mais Hydra va certainement vous donner beaucoup plus de fil à retordre. Leur foot sous haute pression est venu à bout d'un grand nombre des meilleures défenses de la Super League. Ah, pitié! Il y a sûrement plus de pression dans les brassards de bain de Klaus que dans ce gars. Yeah, la dernière fois que j'en ai explosé un, j'ai failli m'évanouir. N'empêche, j'ai vu Hydra faire couler un paquet d'excellentes équipes. C'est exact. Soyez sur vos gardes, ou nous serons les prochains. Regardez un peu la pression que les Hydras ont fait peser sur Lingan. Hydra ferme toutes les ouvertures et bloque toute possibilité de passe et pousse les défenseurs à commettre des erreurs fatales. Ces gars-là doivent faire des heures de fitness pour réussir à faire ce qu'ils font. Leur endurance est extrêmement impressionnante. Mais notre défense est tout à fait capable d'y faire face, eh bien, pas vrai, coach? Bloc est le meilleur tackleur de la ligue. Eagle Eye peut repérer un danger à 1 km. Vous avez de la salade coincée entre les dents. Merci. Maintenant, c'est notre pilier. C'est son jeu de liaison en milieu de terrain qui nous permet de nous soulager de la pression. Hey, puisqu'on parle de pression, les gars, visez-moi ça! Un courant de basse pression fonce tout droit sur le stade flottant. J'ai l'impression que c'est pas très rassurant. C'est que le stade tout entier pourrait couler. Ouais, englouti d'un bloc par la plus grosse, la plus méchante vague que vous avez jamais vue. On m'a assuré que le stade flottant était parfaitement capable de supporter le plus violent des orages. Ah oui! Je suis le maître du monde! J'aime avoir le vent dans les cheveux, le bon air iodé qui me chatouille les narines! Les mouettes perchées sur nos têtes! Envoie ça, sale petit oiseau. On dirait que tu as une nouvelle fan, El Matador. Si elle voulait avoir une mèche de mes cheveux, il fallait qu'elle paie pour ça, comme tous mes autres fans. Mais qu'est-ce qu'une mouette ferait au beau milieu de l'océan, man? Regardez. Il m'impressionne toujours autant à chaque fois, ce stade flottant. Waouh! North, le stade est de ce côté. North? Les gars, je crois que North a un petit problème. Peut-être qu'il a été hypnotisé ? Ou remplacé par une statue de cire ! C'est pire que ça. L'appel du surf. Écoutez cette vague. Elle proclame sa toute-puissance à tous ceux qui osent s'approcher d'elle.
Sa surface brille comme un miroir qui nous renvoie l'image de notre insignifiance aux yeux de l'univers. Ça, c'est le couloir du paradis, les amis! Oh, 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 oh. Même pas en rêve, Norch. Je n'ai pas envie que mon homme clé risque de se blesser avant le match. Mais on fait un essai tube! Désolé, Norch. Pas de rouleau aujourd'hui. Mais que dirais-tu de quelques cônes? Oh! C'est pas cool, coach! Vous êtes prêts, les gars? Mon pote! On est nés pour être prêts! Alors, on arrive. Bon travail, Norse. Merci, coach. Jouez comme ça pendant le match et ce seront les hydras qui seront sous pression. Dégage de ma vague, loser. Non! North Shore me semble en forme. En très grande forme. Ça craint. Ça va nous obliger à revoir toute notre tactique. Ça va être quoi ton plan, Liquido? C'est facile. On va le pousser à se noyer. Ah. Mec, cette défense sous haute pression m'a tué. Comment ils font les hydras pour tenir 90 minutes? Qu'est-ce que ça peut faire, man? On a l'homme qu'il nous faut pour se lever sur la victoire. S'il te plaît, là, Rasta. Mec! C'est pas cool de me rappeler ce que je vais rater. T'en fais pas, man. Il y aura encore tout plein de vagues à surfer une fois que le match sera fini. Regardez un peu qui vient nous accueillir. Regardez-moi un peu les terreurs qu'on a là. J'espère que vous avez pensé à porter vos brassards gonflables. Yeah, bien sûr. Ils sont dans mon sac. Arrête de te la jouer, Liquido, sérieusement. Visiblement, t'aimes bien faire remuer tes lèvres. Mais tu dois avoir l'habitude à force de remuer tes petites nageoires de poisson clown neurasthénique. Oh non, ça, y a peu de ça chance. Ça pas de sel, sachant que ça vient d'un type qui a autant de charisme qu'un blobfish paraplégique. Rassurez-moi, les gars, je suis pas le seul à rien comprendre. Non, mais c'est dommage parce que ça a l'air très amusant. Pourquoi tu viendrais pas dans mon bureau? Pour une réunion de travail? Avec plaisir. No show. Tu as promis au coach que tu te tiendrais à l'écart de l'eau. Ouais, tu vas être un petit garçon bien sage, tout mignon, qui écoute son coach. Va te faire voir. Maintenant, y a plus qu'à attendre. Tu ferais mieux de l'ignorer, North. Yeah, d'autant que c'est lui qui a une tête de poisson clown paraplégique. Ou est-ce que c'est pas plutôt de blobfish neurasthénique? Ouais, North. Dis-toi que tu es notre porte-bonheur. Regarde, le sas d'entrée porte ton numéro. On doit se calmer et se concentrer sur le match. Pour l'instant, en ce détail, le surf, ça attendra. Mais moi, c'est en faisant du surf que j'arrive à me détendre. Hé, hey, est-ce que vous seriez où? Regarde. Hé, hey, les mecs, vous croyez vraiment que je vais attraper quelque chose ici? Tu cherches du mauvais côté du fil, mon frère. Vous, ah. Ah. Espèce de sale petite voleuse de pantalon, reviens tout de suite, ou alors j'appelle la police. Les gars, il y a une chose que je dois absolument... Quoi? On peut dire que la police est très rapide ici. Nous nous apprêtons à subir une très forte houle. Assurez-vous que vous êtes au complet et dirigez-vous vers les sas de sécurité les plus proches. Les sas de sécurité? Ça a l'air sérieux. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont annuler la rencontre? Non, il semblerait que ce ne soit rien d'autre que la procédure habituelle. Assurons-nous simplement que tout le monde est là. C'est ce que je me tue à essayer de vous dire depuis tout à l'heure. Je n'ai pas vu North Shore de la matinée. T'en fais pas, man. Je suis sûr que North est déjà à l'intérieur à se la couler douce. Pile au rendez-vous. Il est temps de passer à la phase 2. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, je suis vraiment désolé, je t'avais pas vu. Oh, je te signale, sale bestiole. Si jamais je mets la main sur Liquido, il va voir de quel bois je me... Oh non! Le match! Il faut vite que je tourne... Où est le stade? Wow! Wow! Wow!
je crois que mes wow ne changeront rien à l'affaire. Oh, oh. On peut dire qu'on a vécu pas mal d'aventures surprenantes, mais celle-là nous amène carrément à un niveau inédit. Ouais. En dessous du niveau de la mer. Aucun disque, le fond des océans est l'endroit le plus calme qui soit par temps d'orage. Enfin, jusqu'à ce que le match commence. En parlant du match, est-ce que quelqu'un a réussi à trouver North? On a trouvé ça dans la chambre de North, coach. Attendez. Non, mais est-ce que vous voulez dire que... Je suis un gros nul. Tout le monde comptait sur moi et moi, je les laisse tomber. Oh. Tu dois être sacrément triste, toi aussi. J'imagine que ton nid se trouve là-dessous. C'est sûrement pour ça que tu voulais nicher dans mes cheveux. Mais t'as sacrément raison. Je peux pas abandonner aussi facilement. Même s'il faut bien reconnaître que c'est super profond. Tu crois que je peux y arriver? Mais ouais! T'as raison! T'es la meilleure, toi! Toi! Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas garder ma planche jusqu'à ce que je revienne, ok? Enfin, si je reviens. Messieurs, j'ai fait tout ce qu'il m'était possible. Le stade restera immergé pendant toute la durée du match. Oh, Naraine ! Quoi ? Blablabla ! Non, tu ne peux pas dire ça, mon frère. S'il y a quelqu'un qui peut tenir bon seul face à l'océan, c'est North Shore. Mais toute notre tactique de jeu tourne autour de lui. Grease, tu te sens d'attaque ? À 100% en couche ! Tant mieux, parce que tu seras titulaire aujourd'hui. Aujourd'hui, Hydra rencontre les Super Strikers et nous sommes en direct du stade de... Du stade sous-marin. J'ai déjà vu des matchs se jouer sous la flotte, Brenda, mais là, ça dépasse l'entendement. Une autre chose qui dépasse l'entendement, c'est de constater que le coach a sélectionné Grease comme pivot central de leur défense à la place de North. Il paraît que vous avez un de vos hommes resté là-haut. Ah ouais? Et on peut savoir ce qui te fait dire ça au juste? Hé, j'ai essayé de lui faire comprendre que le surf s'était réservé aux pros. Des bouteilles d'oxygène? Pourquoi faire? Oh, oh, oh! Un terrain de football subaquatique? Ça, c'est ce que j'appelle du foot sous haute pression! C'est comme si on jouait au ralenti! Oh! C'est carrément d'enfer! C'est géant, mais! C'est carrément super crevant! Ça doit être comme ça que les Hydras s'entraînent à l'endurance. Une minute? Hydra! Le match! Il faut que je leur fasse savoir que je suis revenu! Que le match se joue et les Hydra semblent mener la danse, Brenda. Les Strikers semblent n'être que l'ombre d'eux-mêmes pour le moment. Quel tir incroyable! Et un non moins incroyable arrêt de Big Bo en rétablissant. Les défenseurs, les Strikers ne sont pas visités ni à la pression des grands fonds guerriers. Maintenant, Hydra. Plus que jamais, les fans des Super Strikers doivent se demander où est North Shore. Oh, c'est pas vrai! Ils sont à la peine, on dirait! Hydra prend la tête sur un but époustouflant de Liquido.
Les Super Strikers sont déboussolés quand ils n'ont pas leur nom. Je rêve, ils sont en train de nous écraser comme une pieuvre géante. Les Super Strikers ont du mal à refaire surface sans Nerf chaud pour assurer la cohésion. On peut le dire, Max. Sans ce pont essentiel entre la défense et attaque, ils ont la tête sous l'eau. Oh. Incroyable! Le capitaine des Hydra marque un deuxième but d'une manière absolument exceptionnelle. Je suis mal. En cas d'attaque de pieuvre géante, appuyez sur le bouton rouge. Nous arrivons à la mi-temps, Max. Et les Super Strikers ne voient plus simplement la passe, ils coulent à pic. Le beau Grise, tu vas très bien. Oh, regardez! Là-haut, Nerf est poursuivi par une pieuvre géante. Ok, peut-être que tu vas pas si bien que ça. Il est vivant, oui. Mais plus pour longtemps. Il faut qu'on fasse quelque chose. Génial! Ils m'ont vu! Il n'aura jamais fallu qu'une pieuvre gigantesque et un propulseur subaquatique ultra-moderne pour ça. Hé! Hey, ça vient de me donner une idée. C'est exactement comme Twisting Tiger avait dit. Le numéro 8, ça porte bonheur. Je crois qu'il a dit que le sas, numéro 8. Vous inquiétez pas, je vous suis, les gars. C'est pas vraiment la queue que je m'attendais à avoir, les mecs. Attention! Là, je suis mal. Cette saleté veut essayer de m'étouffer, on dirait bien. Je crois que la solution, c'est d'arrêter de respirer. La seconde mi-temps est sur le point de démarrer, mais il semble y avoir un léger problème du côté des Super Strikers. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment mon meilleur défenseur a pu s'évanouir comme ça dans les airs? Pas dans les airs, les amis! Dans l'eau! Dans le champ! Alors, mec, je suis tellement content de te voir! J'ai le mal de mer, c'est une horreur! Ok, ça va, Gris, je suis là. Comment il a fait pour revenir jusqu'ici? Aucune importance. On mène 2-0. Il ne peut plus rien faire maintenant. La seconde période démarre sur les chapeaux de roue et la défense des Strikers reprend enfin vie. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire entrer Nerf Show? Qui peut bien savoir ce qui se passe dans la tête des coachs, Brenda? Mais avec une équipe menée 2-0, Nerf va devoir lâcher les chevaux pour elle. Heureux de te revoir parmi nous, Nerf. J'espère que t'es plus doué pour le foot que tu l'es pour le surf. Liquido! Tu as fait exprès de me faire tomber pour que je rate ce match. Ah, c'est juste une fausse manœuvre, c'est tout. Ça, c'est pour m'avoir volé ma vague. Et ça, c'est pour Shake. Nous sommes peut-être au fond de l'océan, mais ce jeu-là nous parvient tout bonnement d'une autre dimension. Olé! Je n'en crois pas mes yeux. À moins de 2 minutes, les Super Strikers viennent de revenir au sol. Tout, les gars. Il est encore trop tôt pour baisser la garde. Je crois que j'ai une idée sympa, mais pour ça, faudrait qu'on puisse reproduire certaines habitudes de la faune locale. Qui veut qu'on vende les shorts des Hydra? J'adore l'idée. Il ne parle pas des mouettes, il parle des pieuvres. Les gars, vous êtes prêts à retourner mettre un bon coup de pression sur l'Hydra? Ouais. 2, 3, Super Strikers!
Eh bien, je crois qu'on peut sans problème affirmer que les Super Strikers nous préparent une petite surprise. Je n'avais jamais vu les hommes du coach organiser une défense aussi massive. J'imagine que les effets de la pression commencent à se faire sentir. Trouillard. À mon signal, tout le monde charge. Il est temps de vous renvoyer vous rhabiller. Hydra lance une charge de plus en plus massive, mais les Super Strikers ne bougent pas d'un poil. Je suis là, mec. On t'a réservé une attaque en mode pieux. Et c'est une attaque surprise que lance les Strikers et qui cloue les Hydra sur place. Et une passe en mode mouette en kékineuse. C'est pas deux bras qui suffiront à m'impressionner, mon pote. Parce que je viens à peine de me battre contre 8. Et quelle remontée magistrale des Super Strikers! Tu vois, Norf? Tu auras vraiment laissé ton empreinte chez les Hydra. Dans leur mémoire et aussi sur leur stade. Ça me fait plaisir que ma nouvelle amie ait pu se trouver une nouvelle maison. Alors tu veux dire que cette mouette était de notre côté depuis le début? Mais quel noble, quel majestueux animal, ça! Attends que je t'attrape! Tu vas voir quand je t'aurai chopé, je ferai une tarte à la mouette!